Salut, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous magnifiques. Mais personne aujourd'hui pour la vidéo compagnie de personne, les amis, parce que je n'ai pas d'amis. Comme vous savez, les amis, dernièrement, on a sorti une nouvelle mise à jour sur K-Faction. Donc, je suis bien entendu sur le meilleur serveur BB Faction du moment, les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de faire des farms automatiques sans redstone, sans rien. Et vous allez voir, ça va être plutôt intéressant. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Et aussi ça, c'était durant, quand on a fait la mise à jour, on avait fait un petit stand ici durant mon live pour vous présenter les nouveautés. Mais on n'a plus besoin, on a juste besoin pour machine à... ici, la machine qui est là. La machine à melon. Donc, comment ça fonctionne? C'est très simple. Déjà, vous n'avez plus besoin de redstone pour faire toute n'importe quelle machine que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir. Donc, on va tomber ici. On peut voir ici qu'il y a de l'eau. Comme d'habitude, il y a de l'eau dans le truc. Quand vous avez votre eau, les melons vont pousser. Mais les melons ne pousseront plus en bloc comme ils poussaient avant. Donc, attendez, je vais juste vous montrer. Normalement, les melons, ils poussent en bloc comme ceci. Voilà, il pousse en bloc comme ceci, right? Il pousse des blocs comme ça. Pour le coup, ça va pas pousser comme ça. Le bloc va pousser, mais il va tomber directement en melon. Donc, comme on a vu ici, on l'a vu au même moment, le bloc, il a poussé, mais il est directement tombé en melon. Et il est tombé directement dans l'hooper. On a augmenté la farm de hooper. Donc, maintenant, vous pouvez mettre 64 hooper par chunk à la place de 16. Donc, ça l'a vraiment beaucoup augmenté. Ça peut être intéressant pour faire des grosses farms. Le hooper a aussi changé. Donc, le hooper a une nouvelle particularité. Donc, par exemple, ça, c'est mon truc comme ça. Je vais juste faire ça. Hop là, je me suis trompé d'endroit, c'était juste à côté, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. Donc, voilà, ça ici, toute la zone que je vais sélectionner en rouge, voilà, comme ça, 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 et comme ça, et même si je me trompe pas, comme ça, mais ça se peut que je me trompe, attends, on va voir, non, c'est bon, je me trompe pas, ok, comme ça, comme ça, comme ça, hop là, oh non, je suis tombé, comme un con, putain. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait beaucoup de comme ça, les amis, je sais, mais vous allez comprendre pourquoi. Partout ici sur cette plateforme rouge, je peux mettre un item. Ça peut être là. L'item va se ramasser dans le hooper. On va aller voir en dessous pour vous prouver. L'item, il se ramasse là. La laine, le hooper, j'avais lancé. Par exemple, la laine, c'est pas ramassé là, je crois. Attends, on va juste regarder. La laine. Oh, ah, c'est stack, était stacké, elle n'était pas encore rendue, je crois. Whoop, là. On va juste attendre vite fait. Voilà. Ça, c'était le béton que j'avais lancé juste avant. Ça prend un peu de temps quand même, parce que les hoopers, il faut qu'ils aient cherché. C'est comme si ça, c'était des blocs hoopers que vous voyez pas, je crois. Donc, ça prend du temps à se rendre jusqu'au hooper. Oups, là, je vais un peu vite en volant. Hein. Jusqu'ils se rendent jusqu'au hooper principal. Mais vous avez compris, comme on peut voir, deux blocs de béton. Ça, c'est ce qu'on avait lancé avec la laine rouge qui va se lancer sûrement bientôt. Donc, c'est plutôt intéressant, je trouve, personnellement, parce que ça veut dire que un hooper couvre toutes ces dimensions-là. Donc, ça peut être quand même intéressant. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous faites une farm à melon ou peu importe. Bon, c'est sûr que vous avez pas la fortune 5. Hein. Faut pas croire que vous allez avoir la fortune 5 sur les melons qui se classent automatiquement. Par exemple, si vous prenez encore la Pharmax en épidote comme celle qui était avant ici, vous le cassez et vous minez votre bloc de melon, vous en avoir plus avec la Pharmax. Mais ça, c'est juste pour les trucs automatiques. Donc, c'est sûr que c'est automatique. Mais comme vous voyez, ah, oh, celui-là, il s'est rendu dans l'autre côté, en fait. J'ai été con. Celui-là, vu qu'il y avait des hoopers là, il était dans là-bas. Je suis vraiment stupide. J'y ai pas pensé. Je suis vraiment désolé. J'ai mal un peu expliqué. Mais en gros, s'il n'y avait pas d'autres hoopers là, c'est la priorité de ce hooper. Donc, comme vous voyez, vous pouvez prendre quand même pas mal de terrain pour couvrir un hooper. C'est quand même énorme. Donc, ça, c'est 64 par limite par chunk. Puis, ben, comme vous voyez, c'est quand même assez grand, quoi. Le souci, c'est que ça prend pas les blocs en dessous, donc le bloc vert. Si je dépose un item sur le bloc vert, ça va pas fonctionner. Il va pas aller dans le hooper. Vous voyez, il va descendre, il va pas être capté par le hooper ou quoi. Malheureusement, mais je veux dire, c'est au moins c'est sur le dessus, quoi. Donc, vous pouvez faire des farms tellement énormes. Vous pouvez faire des systèmes d'eau, par exemple. Ça ici, c'est pas moi, c'est mon hooper. Je peux faire en sorte qu'il y ait un système d'eau qui passe sur le côté ici. Bon, là, je sais que l'eau, elle marche pas à la couche qu'on est. Mais par exemple, je peux faire en sorte qu'il y ait un système d'eau parte ici et qui m'amène mes melons de l'autre côté. Par exemple, j'ai un système d'eau qui arrive ici. Et ici, c'est la fin du système d'eau. Le système d'eau, il passe comme ça en parallèle. Par exemple, on va faire genre que là-bas, c'est un truc. On met un seau d'eau. Et puis, bon, boum, le truc continue. Tous les items, c'est par pays là-dessus. Et voilà. Enfin, je suis pas un pro redstoner, mais je suis certain que certains d'entre vous vont découvrir des façons de faire des farms plutôt OP. Moi, je trouve ça intéressant, cette façon de faire. Je sais pas si c'est déjà été fait sur d'autres serveurs. Comme je dis, c'est Mosca qui nous a proposé cette nouvelle ajout. Je sais pas du tout si c'est vraiment
vraiment utile, intéressant, mais au moins ça vous fait quelque chose de spécial. Donc voilà, je vais juste mettre vite fait mon armure super OP. C'est les nouvelles enchantements, les nouvelles pourcentages de trucs sur, sur les armures. Comme vous voyez, je vais super vite. Et aussi, regardez, je sais pas pourquoi, mais les blocs de béton et tout, je trouve qu'ils ils rendent putain de badass en vrai. Genre, je vais juste remettre l'armure pour les autres youtubeurs qui vont faire des vidéos. Mais en gros, genre, je les trouve putain de badass les blocs de béton et tout. Hein. Franchement, vraiment, vraiment cool la 1.12. Enfin, c'est des items de la 1.12 si vous saviez pas. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Donc, je voulais juste vous montrer un peu ça aujourd'hui, les formes automatiques, etc. Comme vous voyez, ça récolte quand même assez rapidement. Quand on a regardé tout à l'heure au début, regardez, on a déjà récolté ça en quelques minutes. Donc, ça va super rapide. Ça n'enlève pas la rapidité ou quoi. C'est vraiment juste pour faire en sorte que, regarde, exemple, je suis ici. Je lance mon truc ici sur le côté. Il va être gobé par un des hoopers normalement. Ah non, non, c'est parce que c'est pas la hauteur. Voilà, faut que je le mette à cette hauteur-là. Et là, il va être gobé par un des hoopers. Vous voyez? Donc, c'est plutôt intéressant. Et comme ça, vous avez aucune perte. Je sais qu'il y a beaucoup de machines à redstone automatiques avant qui avaient des pertes. Cette fois-ci, pas besoin de mettre de redstone. Ça fait pas laguer le serveur. Et vous avez la même efficacité dans les machines. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez faire tout ça avec de l'eau. Tout ça comme ça. Bref, vous êtes des pros Minecraftiens. Vous savez déjà quoi faire. Je vais juste vous parler de cette nouvelle nouveauté sur Cafaction aujourd'hui, les amis. Si la vidéo vous a fait plaisir, laissez un pouce bleu. Je vais choisir 20 personnes dans les commentaires pour gagner des clés kékettes. Donc, si vous avez envie d'avoir un clé kékette, les amis, comment on va faire, c'est très simple. C'est qu'on va faire 10 personnes qui vont gagner 2 clés kékettes chacun. Donc, mettez vos pseudos en commentaire, le moment de la vidéo que vous avez préféré. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vous aime du profond de mon cœur. C'est un compte. Ciao!